22, v'là le bruit mortel des tic-tac. De là-haut, Bourville aurait chanté, les gendarmes ont perdu leur tactique. Après les horreurs à Paris, c'est la mannequin panique. Le plat pays est puni par la main de tueurs en folie. On s'y attendait pas si vite, pas si tôt. Mais ce 22 mars de Zaventem à Malbec, c'est métro, boulot, blessé ou caveau. Pourtant, quelques jours avant, la seigneurie des aveugles et des sourds pensait avoir tiré le pigeon ou le vautour. D'après eux, la vie du bon belge pouvait suivre son cours, mon œil. Matin du 22 mars 2016 à 9h15, ce qui devait arriver arriva, ou plutôt explosa. Par la grande voie aérienne ferrée, nous laissant tous sans voix, sous le choc, tous avec des gueules de déterrés. Faut même plus les nommer, on leur ferait de la publicité. Des assassins mobiles et mobilisés dans la lâcheté, voilà ce qu'ils sont, ils ne feront jamais partie d'une religion. Envoyé à Namur pour un atelier d'écriture, j'aurais pu être dans ce métro que je prends tous les matins à la même heure. Ce n'était simplement pas mon heure, même si l'heure est à la douleur. Je me suis senti aimé, comme tant d'autres, de Dieu ou du destin. Mais s'en sortir laisse aussi la mort nous narguer d'avoir repris la vie à des innocents et nous avoir épargnés. De nos jours incertains, Dieu semble avoir bon dos. À cause d'une poignée de faux héros, même lui en a plein les mots. Mélancolique, il se souvient du temps où pour Abraham, Jésus-Christ et Mohammed, il était le plus grand, le plus beau, le plus haut, le plus bel exemple d'amour pour les vieux et les marmots. Aujourd'hui, il se tient la tête, si déçu, si dépité, si malheureux, se demandant comme le taureau de Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux ? À la Zidanie, mon point d'honneur, à tous ces merdeux qui n'ont point d'honneur, à tous ces religieux qui écœurent ma religion du cœur. On en vient à regretter les polémiques stériles sur le port du voile, même les imams en perdent la voix, tout est flou, tout se voile. Les barachichas dévoilent des futurs mercenaires bénévoles, des petits voyous dévorés par le système qui se font sauter à tour de rôle, avec de la veille encore dans leurs veines, plus que quelques grammes d'alcool. Et plus personne n'en rigole, plus personne, ça mélange les produits, comme ces médias qui nous mélangent à tous ces attentats immondes. Mais qu'est-ce qu'ils savent, comme ces politiques qui bavent quand ma religion est ramenée plus bas que cave. Lire, écrire, analyser, à la Stéphane Hessel, s'indigner. Se rassembler même sans se ressembler. Dans nos nuits, créer ensemble nos futurs beaux jours. Force et honneur parmi les serviteurs de la bravoure. Je reste fier d'être belge, musulman, citoyen du monde et des hommes et des femmes libres. Résistant aux horreurs, semant l'espoir sans peur, nos délivrances dans les grands cœurs. Pour que demain, il y ait encore des surlendemains, des beaux lendemains, des futurs lendemains, qui nous rapprocheront des uns et des autres, dans nos différences semer l'amour, sans se planter, côte à côte.